Alors, on va commencer dans 30 secondes, enfin 2 minutes. Hop, hop, hop. Alors, on va faire une petite heure à venir sur Wipeout Omega Collection. S'il y en a qui connaissent pas, donc c'est Omega Collection, ça comprend le Wipeout 2048 sorti sur PS Vita. Et plus Wipeout HD et Wipeout Fury qui étaient sortis sur PS3. HD Fury qui pour moi sont très très bons. Et après je trouve le 2048 un peu moins bien moi, personnellement. Mais bien sûr ce n'est qu'un avis personnel. Oh là là, oh là là. Comment on fait pour voilà chat. Voilà voilà. On va peut-être pas avoir beaucoup de victoires de ma part aujourd'hui parce que j'ai déjà pas mal avancé dans le jeu et que on va essayer de passer les niveaux petit à petit. Vous allez mieux comprendre quand je vais vous montrer. On va aller dans campagne. Pour l'instant là moi je suis au Fury. Donc je fais tous les courses en difficile et là ça commence à être vraiment difficile. Pour le coup. Donc là ça va dans l'épreuve numéro 6 et vous voyez là donc en bas à gauche il manque 21 points pour débloquer donc le niveau 7. Sachant qu'une médaille d'or vaut 3 points, une médaille d'argent 2 points, une médaille de bronze 1 point. Et là ça commence à être très très difficile je trouve. Hein. Savoir ce qui est intéressant par rapport à chaque on va dire épisode 2048 HD Fury, il y a des types de courses différents. On va essayer de vous montrer un peu tout hein. Donc il y a des courses normales hein, des courses uniques, des zones, donc les zones, le but du jeu c'est de faire plus on avance, on est tout seul, c'est une espèce de contre-la-montre, mais plus on avance plus le vaisseau va vite. Et donc il faut essayer d'aller le plus loin possible avec la vitesse maximale. Il y a des éliminators dans le Fury. Bon, ça sert à tout expliquer comme ça, ça ira mieux en regardant, je pense. Alors, donc, on va essayer sans corruption. Allez, on va essayer. Il y a un tournoi. Alors là par contre autant dire que l'épreuve numéro 7 je vais pas la débloquer. Il me reste 21 points. Il va falloir que. Ouais. Que je retente plus tard pour avoir plus de points pour débloquer le niveau 7. Donc pour ceux qui connaissent Wipeout, le célèbre Pfizer. Au moins au précommandant, j'ai eu ces deux vaisseaux-là, le Van Uber. Et le Tigron. Oh, moi je prends le Tigron parce qu'il est plus rapide, des stabilités à France, ça s'apprend à force de jouer. Hein. Le Van Uber est beaucoup plus stable. Il y a plus de poussée, mais bon, je préfère. je préfère m'entraîner avec une grande vitesse. Et voilà. On est parti avec le Tigron. Bon, je me suis pas entraîné avant de streamer, donc on verra bien ce que ça donne. Alors de pendant me voir aussi, j'ai oublié ça. Allez, c'est parti. Par contre, en rapide, je sais plus quelle vitesse, ça va être rapide, je pense. Ah, ça va aller. Oula. Oula, 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 oula. Ah, je me rappelle plus du cœur. La course, putain, mon dieu. Non, ça va. Alors, par contre, moi, j'ai retiré aussi l'assistance au pilotage. Avec l'assistance au pilotage, on fonce beaucoup moins dans le mur, hein, bien sûr.
mais sinon c'est pas rigolo. Le but c'est d'avoir du challenge, là, c'est pas qu'on soit assisté. Voilà. A savoir pour ceux qui ont la VR, il est compatible VR. Le jeu. Alors putain, ça doit foutre le tournis en VR, hein, tellement ça va vite. Ah. Whoopiting. Fuck, non possible. Voilà, énergie critique, merde. En appuyant sur rond, on n'utilise pas le petit objet qu'on a, par contre on se remet de la vie. Important, voilà. Merde. Pas facile là, alors c'est du fait là. Attends, je reviens, je vais me chercher à boire en même temps, quand même. Cinquième, ça fait pas beaucoup de points ça. Alors histoire de montrer un peu tout, je vais pas... Normalement je recommence jusqu'à temps que je réussisse. Hein. Mais là pour essayer de montrer le maximum de style de jeu on va dire. D'épreuve, le style d'épreuve. On va pas toujours recommencer sinon ça va être interminable. Mais c'est dans la même veine que les jeux style Trial Fusion. Assez simple au départ, plus on avance, au plus il faut recommencer les courses pour les passer. Ça c'est. Voilà. Faut aimer, refaire et refaire toujours les choses. Je vais faire le tournoi là pour que ce soit plus intéressant, je vais me revenir sur l'épreuve numéro 5. Faire les épreuves pour vous montrer. Si c'est pour voir que je suis dernier à chaque fois, bon, ça peut être super intéressant. Et me voir me vautrer contre les murs tout le temps. Oh putain. Oh merde. Ça c'est très bien ça de quoi. Oh non, c'est pas de bol ça. Oh là là, j'ai plus d'énergie, mon jeu.
Ah, c'est dommage que je dois remettre de la vie parce que l'autopilote, c'est quand même pas mal, hein. Alors que ça, c'est du vachier. C'est pas mal. On va finir 6ème. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. C'est pas facile, hein. Pour ce tournoi, bah, je vais jamais arriver dans les 3 premiers pour avoir une médaille, hein. Je pense. Ah merde, je sais pas que c'est celle-là. Ah, il est chaud ce parcours là. Oh là là, putain, ça va dans tous les côtés là. Oh là là, oh là 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 là. Aïe 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 aïe. Quand on fait un coup de joystick droite gauche droite ou gauche droite gauche. Oh putain la vache. Oh là 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 là, il est impossible ce parcours. C'est quoi ces chicanes? Un truc là, non 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 non. Ah ben voilà, on a totalement perdu. Aïe 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 aïe. 0 points. Bon, bon, enfin dernière course et je confirme, on va repasser à un niveau inférieur pour le stream. Il va falloir faire du travail là-dessus quand j'aurai le temps. Et on va aussi recommencer directement par le 2048, puis le HG, puis le Fury. On va tout faire dans l'ordre. Ah, ce qui est bien aussi dans le jeu, c'est d'avoir quelques amis. Putain. Qui joue pour essayer de battre des records et tout, hein. C'est... oh là 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 là, voilà, c'est dans le genre d'ici le jeu Trackmania, Trial Fusion où voilà, le but c'est de battre des records et oh là là, je suis comme on est là. C'est bien comme ça, moi vous pouvez voir la différence entre le niveau 6 et merde. Faut que je me concentre un peu. Entre le niveau 6 et les niveaux 1. Vous allez voir la différence. Bon, c'est ça, on va reprendre les... ah, cette droite gauche ici, hop là. Ah, cette droite gauche ici là.
Ah, la chicane du début, la chicane de fin de parcours, elle est... Oh, je vais encore exploser, moi, ça continue. Ah, en plus... Bon. On l'a dit, on va faire un beau tournoi de merde. Hein. Déjà, on n'est pas dernier, c'est un bon point, c'est un bon début, pas de dernier. Bon. Ouais, c'est pas facile. Hein. Alors, bon. Alors, on va montrer les épreuves, donc 2048. Donc après, moi j'ai essayé de faire HD Fury en difficile, je vous montre vite fait. On peut choisir directement la difficulté facile, expérimenté, difficile, et du coup, ben... Attends, on va pas prendre là, mais regardez les en bas, les temps qu'il faut faire pour avoir une médaille changent si on joue en facile, difficile ou expérimenté. Et bien sûr, au niveau de l'IA aussi. Du coup. Ça, c'est bon pour le HD Fury. Par contre, pour le 2048, il n'y a pas de niveau de difficulté. C'est plus difficile plus on avance. Bon, j'ai pas fait le 2049, on va refaire le 2048. Donc course, bah ça on vous a déjà montré, course hein, c'est ce que j'ai fait là. Alors ici par exemple il y a un contre la montre. Battre une 45 pour passer en or. On peut voir si les records des amis. Hop, global, ami. Voilà. J'ai des amis qui sont bien classés quand même. Astfern et Spencer ont fait des très bons records. Par contre, une 52, c'est pas terrible. Hein. Donc, allez. Là, c'est pas terrible. J'espère faire au moins aussi bien. Donc, on va retester. Pfizer, on prend le Pfizer le plus rapide pour faire du compte du CLM. Donc après vous allez voir, il y a aussi des modes de jeu un peu, des épreuves un peu plus originales, les zones, les combats zones, éliminator, détonateur, qui sont plus présentes sur le HD Fury. Alors le plus curieux, je fais jamais, je me souviens plus du parcours. Hein. Hop là. Ok. Ouh.
Alors, quel temps on a fait? 1:52.04, et ben. Après, ouais, dans les parcours de 2048, il y a des raccourcis. Comme je les ai pas fait, je ne les connais pas bien. J'ai vu que sur la fin, il y en a un sur la gauche. Ne les connaissant pas, je l'ai pas pris. Je pense que pour arriver hors là-dedans, il va falloir prendre les raccourcis obligatoirement. Je vous montrerai tout à l'heure sur le HD plutôt. Hein. Ça c'est quoi ça? Alors si je m'appelle bien, ouais non, c'est pareil que détonateur sulfurie, je vais faire sulfurie. Bon, ça c'est une course en... Voilà. Okay. C'est sur le 2048, je trouve qu'il y a le moins de type d'épreuve avec les circuits sont aussi moins bien, je trouve. Bon, du coup, on va passer, hop là, non, sur le HD, où il y a beaucoup plus de choses. Alors, j'avais arrêté où, HD? J'avais arrêté au 4. Je vais faire celui-là juste en dessous où je m'en étais... Je m'en étais mieux sorti. Et on va faire donc les épreuves que j'ai pas encore montré. J'ai montré les épreuves que donc on n'a pas encore vu sur le HD et le Fury. Si on a le temps, si je suis motivé, je ferai du. Il me manque 3 points pour débloquer celui-là. J'essaierai de prendre les 3 points sur le Vertigo à la fin. Ou de montrer un peu de online. Alors, j'en ai fait au tout début il y a quelques mois. Je ne sais pas du tout ce que ça donne. Alors bon, course unique contre la montre, on a déjà vu. Alors zone. Donc vous allez voir. Donc le but de la zone, c'est commencer avec le vaisseau le plus lent du jeu. Et plus on avance, plus c'est rapide. Et c'est fini quand le vaisseau sera détruit. À savoir qu'on n'est pas obligé d'accélérer, le vaisseau accélère tout seul en zone. Donc on a juste vraiment à utiliser les aérofreins. Donc les aérofreins c'est L2, L2 pour aider à tourner. Et en appuyant deux fois soit sur L2 soit sur R2, on fait un petit coup de pouce sur la droite ou la gauche quoi. Pour nous aider à passer un virage qui serait mal parti. Ah, donc là, on commence tout doucement. Venom. Oh putain. Zone 10, clear. Rapier.
Aïe, aïe. Aïe, j'ai trop pris le virage. Je me suis pas arrêté au virage. Putain. Oh là là, attends, je sais plus où je fais là. Je sais plus où je suis. Merde, oh là là. Ça commence à être compliqué là. Comme ça, aller vite. Hein. Oh, enfin, ouais, super fantôme. Ça commence à aller très vite. Aïe aïe aïe. Et sans l'assistance au pilotage. Hein? On embrasse beaucoup les murs. Hein. Bien. Évitez l'aérofrein là par contre, on est toujours. Merde, oula. J'ai envie de regarder où il était mon record. Oh, énergie critique. Bien. Bon, c'est bientôt fini. Non. Oh, le prochain virage, c'est fini ça. Et ouais. Putain. Nouveau record, il m'a quitté. Merde, j'ai perdu mon bouchon. On va regarder les records. 9 100 dans les 10 000, c'est pas mal. Donc ça c'est les records amis. Ouais, Acid Fern, plus de 100 000, c'est énorme. Ah merde, alors j'ai plus ça moi. Attendez, je reviens dans 30 secondes. Excusez, j'avais perdu le bouchon de la bouteille d'eau. Ça, c'est pas bon, ça. Pas bon du tout. Ah, voilà. Hop, revenir à la grille. Puisque je pense que j'ai battu, je pense qu'il me semble que j'étais argent. Donc, c'est bien. Course unique, tout rapide, il y a quoi d'autre ici? Tout rapide, course unique. Il n'y a rien d'autre dans. Il me semble qu'il y avait plus d'épreuves différentes dans le HG. Bon,
On va faire un petit tour sur le Fury du coup. Voilà, on va pas prendre trop compliqué, on va faire le niveau 4. Hein. J'ai quasiment que des médailles d'or. Là, il y a plus d'épreuves différentes. On va faire un petit éliminator. Donc le but, c'est de, bah, c'est de démonter tout le monde. Là. Regardez en bas. Donc le but, c'est d'avoir 280 points. Vous allez vite comprendre. Hop, mon petit Tiguan. Tiguan. C'est moitié français, moitié anglais, si on veut qu'on le dise. Vous avez vu, donc il y a des points qui s'affichent quand je fais des dégâts. Voilà. Oh, oh là là, je l'avais pas vu. Oh là là. Oh les salauds. Ils m'ont mis cher direct. Hein. Alors quand on se fait éliminer, on perd quelques points, hein. Bien sûr. Oh là là, mais ils ont mis des trucs partout, les mecs. En voyant en bas de l'écran, il y a la ligne avec où sont les concurrents, parce qu'on peut aussi faire demi-tour. Contrairement aux autres épreuves, on peut faire demi-tour pour arriver à contresens. Merde, je touche pas. Ah, Quake là, regardez, allez, on va attendre que tout le monde passe. Oh vas-y, passe toi, putain, feignasse toi. Hop, et voilà. La technique. La technique de pute sur les éliminateurs pour gagner des points facilement et rapidement. Oh non, je vais aller dehors, quel con. Ah là, il m'a poussé et ça m'a surpris. Oh, j'ai pas vu. Oh, et oh. Oh là là, hey, y'a pas de chip à côté de moi là. Oh putain, j'ai fait Tony Hawk Pro Skater les mecs. Ouais, c'est le même parcours que tout à l'heure où j'avais du mal, et vous voyez, en vitesse même plus lente, c'est beaucoup plus simple. Hein. Ah, hop, je dis ça, je le prends un mur. Hop là. Il s'était mis une armure. Plasma. Missile. Quake. Cannon. Energy critical. Je prends tout en pleine tête, le mec là. Plasma. Oh, c'est bien, moi, je vais derrière eux. À côté.
Oh putain, les enculés quoi. Ah voilà, un petit quake, ça va me redonner du point facile ça. Ouais, le mec il a bientôt fini déjà là, le premier là. Voilà, j'ai bien rattrapé avec le quake. Hein. Merde. Après voilà, c'est aussi un peu de chance hein, ce jeu. Ah, je suis repassé le premier là. Mines. Ça fait plus grand chose là. Ah, ah. Oh dommage, quel con. J'ai pas été bon. Aïe. Ah, moi j'aime beaucoup les musiques dans ce jeu. Un peu électro, drum and bass, dubstep. Il y a vraiment des trucs sympas dedans. Il y a aussi les points de contrôle prodigy, je trouve toujours sympa. Voilà. De jouer à ça avec du prodigy dans les oreilles. Donc voilà, donc ça c'était pour l'éliminateur. Alors, on va faire maintenant notre détonateur. Alors, il y en a combien de morcures là-dessus? 3200, c'est pas mal. Non, ça va, attendez. Attends, je prends détonateur, pourquoi c'est pas écrit? Ah, voilà, c'est mieux. 457 000. En détonateur, c'est un peu comme zone tout à l'heure, sauf qu'il y aura des mines. Il y aura plein de mines même à certains moments sur le parcours, et il faut donc détruire les mines et ça donne des points. Encore une fois, vous allez vite comprendre en regardant. Et comme zone, on n'est pas obligé d'appuyer sur X pour que notre vaisseau avance. Il avance tout seul, il y a juste à gérer les gâchettes. Le carré pour tirer. Et vous allez voir en passant sur à la place des pavés de vitesse sur d'autres pavés qui vont nous charger l'espèce de super, on va dire, en bas à gauche, qui s'utilise avec L1 et qui détruit toutes les mines qui sont devant nous. Du coup, plus notre barre de super est haute, plus le super va loin. Stage 1. Voilà. La barre du super est pleine. Ah. On va garder pour le début du tour, c'est toujours mieux. Pas pour le début du jeu. Là les bombes, il y en a de temps en temps sur le parcours, ils vont le dire. Et ça détruit donc les mines à proximité. EMP energized. On va
pas vraiment envie d'utiliser le super. Voilà, je suis loin du début de parcours. On peut y aller tranquille. On va assez vite se recharger. On les recharge à fond pour les début du parcours. Hop là. Très très bien. Merde, je suis passé au milieu des deux. Oh quel con! Pas bon là, c'est pas comme ça que je batte mon record, hein. Ça c'est sûr. Oh là là là, c'est pas bon là. Pas bon sur le détonateur. Ah ouais, je suis pas bon. Énergie critique, jamais. EMP Mais non. Oh, mille. On n'a pas été bon du tout là. Je suis à 200 000 de mon corps, c'est n'importe quoi ce que j'ai fait là. C'est du grand n'importe quoi. Voilà, et je pense que la dernière épreuve que je t'ai pas montré, c'est le combat zone. Alors, truc que j'aime pas du tout, ça par contre. Ouais.
Donc c'est pareil, donc là Combat Zone on sera contre des IA. Il y aura des pavés à prendre par terre et plus on prend de pavés on aura un boost qui fait augmenter notre nombre de zones. Et le but, comme donc les zones tout à l'heure, hein, et le but c'est de faire d'arriver à un nombre de 20 zones. Les zones c'est la rapidité du vaisseau en fait. Hein. Tout simplement. Allez, je vous laisse lire un peu. Alors ouais, donc on met notre boost à créer des boucliers, donc si les adversaires se le prennent, ils se prennent des dégâts. Et nous avec les pavés qu'on prend, plutôt que le prendre pour boost pour augmenter de zone, de vitesse, on peut l'utiliser en tant que bouclier pour passer à travers la barrière sans prendre de dégâts. Donc là pareil, pas besoin d'appuyer sur carré. Comme le vaisseau a une vitesse par rapport à la zone qu'il est, c'est séparé là. Alors là, si je les prends pas, ça va pas aller. Hein. Alors, vous voyez en bas à gauche, plus 0,6. Donc là, je peux augmenter de plus 0,6 zone si je mets mon boost. On peut aller jusqu'à 8. La fameuse barrière. On va bientôt augmenter. Alors, ce qui est difficile, c'est de gérer la différence de vitesse entre les zones. Là, je suis passé de la zone 1 à la zone 5, ça fait bizarre quand même. Merde. Là, une barrière au milieu. On va faire attention. Merde. Yep. Oh, je vais me parler dans les trois premiers là. Oh les salauds. Oh, je suis même pas dans les trois premiers, les salauds. 15-9, normalement, normalement ça passe. Hein. Là, quand même. Donc voilà, on va essayer. Alors, je sais pas s'il y a du monde sur l'online, on va tester. Voilà. Une partie, non, on s'en fout. On va essayer de rejoindre une partie. On verra ce qu'il y a. Autre mode de jeu, type de course, catégorie. Ah, ouais, donc bah, quand ça c'est fait, il y a aucun. Ah, ça donne envie d'acheter le jeu pour jouer en ligne. Hein. Il n'y a pas une partie en ligne. Ça c'est bizarre quand même. Mode de jeu, tout. Ah, putain, là il y a tout le monde. Région EU, donc en région européenne, on va dire qu'il n'y a personne. C'est dingue quand même ça. Oh, c'est dommage pour. Après, bon, c'est pas un jeu qui est orienté sur l'online. Hein. C'est plus, bah, comme je dis, comme les Trackmania, les Trial Fusion, à essayer de battre des records. Même si, le online sur Trackmania est quand même très très important et qu'il y a quand même des gros championnats sur Trackmania. Comme des très très gros championnats. Donc là, je suis quand même étonné qu'il n'y ait aucun salon. Très étonné. Bon. Alors, donc j'avais pas débloqué. Il manque 3 points pour débloquer Hard Rush. Bon, allez, on va essayer de les faire vite fait. Allez, voilà, donc 3 points. On va essayer de faire la médaille de bronze. Oh, j'ai pas fait un bon truc, alors on va essayer ça.
Une course unique en 3 tours. Avec mon Tiguan. Hop. Ouais, c'est parti! Putain, je commence bien, hein, pour prendre une directe, ça, ça fait plaisir. Hein. Ah, pourtant, je suis toujours plus. Ce virage là. Ah mec, il pique tout. Il pique tous mes armes. Oh. Ça va pas se calmer là. Salut. Cinquième là, il va falloir on va te faire un super tour là. Donc, quatrième, troisième juste devant moi. Oh putain, il m'a coupé là. J'aime pas du placement. On va retester. Non mais regarde, mon record il a quoi? Une 50. Avec une 50 j'aurais dû être premier là. Pas une belle course. Après j'ai pas eu beaucoup d'armes. Merde, j'ai mal fait mon départ. Oh, j'ai eu en pleine tête le plasma. Missile.
Oh, pas, 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 pas. Oh là. Silver medal awarded. Merci Danido Pouflo. Bon, ça vient, on a pris un petit point en plus. Bon, j'ai pas battu mon record. Tant pis. Bon, moi j'ai pris un point. Je vais essayer de faire les points sur les courses uniques, hein. C'est plus rigolo quand même. Le record de campagne de 25-78 j'ai fait là. Bon. Ça s'améliore, hein, je pense. Record campagne de 25-78. Attends, je comprends pas. C'est avec plaisir entre horizons. Ouais, merci. Merci quand même. Ah ouais, le 22-85, c'est quand je l'ai fait il y a quelques mois, quand j'avais perdu toutes mes sauvegardes après. On va essayer de... Attends, j'ai pris la bonne course, hein. Ouais. Oh les salauds, oh là 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 là, je suis plein la tête là. Oh là 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 là, ça va être dur de finir deuxième, il va falloir la refaire la course. Arriver deuxième, on prend un point. Je suis curieux de savoir si on joue le même jeu sur play. Je ne sais pas, tu joues à quoi? Non, moi ça. Ah non, merde, c'était 4 tours! Merde, quel connard! On va recommencer la course alors. Je pense que c'était en 3 tours. Moi perso, je joue pas mal de RPG japonais, enfin pas mal, il n'y en a pas beaucoup qui sort, donc quand je peux, des RPG japonais ou des RPG tout court. Sinon, beaucoup Overwatch, un peu Destiny et Wipeout. Et des jeux de sport. Ça fait déjà pas mal de choses en fait. Et bon, on va recommencer la course. N'oublions pas que c'est 4 tours ce coup-ci. Putain, quel con. Disengaging. Leech beam.
Donc, au hasard. C'est moi pour récupérer un nouveau truc, ça peut intéresser. Allez viens, il est où le premier? J'aimerais bien lui mettre une petite roquette dans la tête là. Non. Les salauds. J'entends les balles passer à côté de moi là. Il a 4 secondes de mort le premier, putain. D'avoir des tirs, moi si je peux couler les tirs. Un petit mille, oh, missile. On va jamais le reprendre. Oh, qu'est-ce qu'il fait là lui? Oh bah tiens, gars. Oh. Juste en le touchant. Ah, beaucoup de BF1, Fortnite, avant la Destiny 1 et 2, sauf que les deux m'a dégoûté par rapport au 1, du coup j'ai lâché. Alors BF1 et Fortnite, bah, j'y joue pas. Alors Destiny 2, ouais. Je sais même plus quoi dire sur ce jeu. Alors c'est sympa entre potes, je trouve ça rigolo, mais c'est vrai que c'est toujours pareil. Ça tourne beaucoup en rond. C'est pas super intéressant, je trouve, au niveau des loots. Contrairement à Diablo, je trouve. Ouais, Diablo, t'as envie de jouer pour le loot parce que t'as des super armures à aller prendre et tout. Que là, Destiny 2, bon. A voir en septembre le nouveau DLC, ils annoncent du lourd. Enfin en même temps, ils annonçaient tout le temps du lourd et... Alors, un petit tour rapide, CLM, course unique en bronze ici. Attends, j'ai pas vu si j'ai fait un nouveau record ici, je vais voir vite fait. 22,35, un tout petit. Ah non, j'ai même pas amélioré, non. Bon. Allez, il manque un point. Tigron. Après Destiny 2, si tu veux, n'hésite pas à me rajouter quand même sur le PSN. On y joue de temps en temps avec Azalgan quand même. Et on va sûrement reprendre là après avec le DLC plus. Ah, moi qui mets déjà sur le PSN, que je sais pas c'est quoi ton pseudo PSN. Merde, j'ai mal commencé. Regarde. Ah mais il me rappelle, je suis un peu chiant ce parcours. Je sais qu'il y a un gros virage là. Ah ouais, non, il va être chiant ce parcours. Ah ouais, c'est des vaisseaux plus rapides que juste avant, ça fait bizarre. Les virages sont serrés là. Putain, j'arrive pas à prendre ça.
Putain. Je vais faire une erreur là. Je vais m'en... Oh putain. Putain, c'est le virage préféré. Voilà. Oh. Il y a mes 20. Ouais, il prend pas mal de place sur la play, ouais. C'est clair. Oh, 0,22, j'ai fait là-dessus. On va le retenter une fois. Oh, ça reprend direct. Hein. Ah, ce virage à chaque fois. Non, 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 c'est pas une mort en fait là. Je vais jamais réussir. Eh ben, putain, pas facile, hein. J'essaie de le prendre par le point. Putain, c'est record de campagne, le record que j'ai fait, putain. J'avais fait un moins bon temps et j'avais une médaille. On va essayer de faire le tour rapide. L'argent il est à 33,25, je suis à 33,38. Il y a moyen ça. Tigron.
Bon, après, c'est le dernier truc que je vais faire. Après, je vais arrêter là, je pense. On va faire une petite pause. Oh merde, c'est sur celui-là, putain, fais chier. Je suis dégoûté en fait. Rapide tout à l'heure. Merde. Aïe 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 aïe, c'est n'importe quoi. Putain, je prends pas les boosts, ça ira jamais. Ah merde, t'as raté de faire, c'est dommage. Merde. J'ai un nouveau record, mais pas la médaille d'argent, ça devrait pas être loin. Hein. Oh merde, j'ai fait n'importe quoi. Ah, c'est bon ça. Ah, c'est peut-être que je l'aurais pas. Moi, c'est bien en tout cas. On va finir ça tranquille, de toute façon, je battrai pas le record. Il y a combien de maintenant de raids sur Destiny 2? Il y en a 3. Donc il y a le gros raid, le tout premier avec Kalus. Et il y en a 2 petits que j'ai pas encore fait. Donc, je peux pas dire comment ils sont. C'est pas mal.
Déblocage de l'objet Hard Rush. End Rush. End Rush. Apparemment. Ah, le fameux Icaras. Icaras, j'ai vu que pas mal de collègues avaient des très très bons records avec. D'accord, d'accord. Celui est facile à faire mes souvenirs. Ouais, moi je l'ai pas fait jusqu'au bout, donc voilà. Après, ouais, c'est tout une question de coordination et de bah, connaître les techniques. Après, à partir de là, ça passe. Surtout sur cette putain de salle des chiens là. Qui est juste affreuse, je trouve. Vingt deux points pour débloquer le prochain. 22 points, 1, 2, 6, 10 courses. Ça fait médaille d'argent minimum, plus de médailles d'or sur chaque épreuve à faire. Regardez, est-ce que je l'avais déjà fait avant? Je ne sais plus, me souvenir. Ouais. Voilà. La salle de chien est pas si dure que ça. Ouais, voilà. C'est... savoir leur position, et c'est une question de coordination après. Mais dans mes souvenirs, elle m'a bien fait misérer quand même. Oh bon, je pense qu'on va arrêter là. Fatigue un peu les yeux, Wipeout, hein, ça va un peu vite. Hop, bon, genre, je vais regarder une fois en ligne s'il y a un salon, au cas où, mais je n'y crois pas du tout. Attention, attention, rejoindre partie. Oh, il y a une partie. Oh putain. Ah, ils sont en course les mecs. Bon, allez. Je vais me mettre dans leur salon et on va voir s'ils font une course après. On va essayer une petite partie en ligne quand même. Ah. À niveau 1, putain, même là j'ai perdu mes trucs. Il y avait un peu plus de monde à l'époque quand il était sorti. Et là c'est quand même triste, hein, putain. C'est dommage qu'on peut pas regarder la partie en cours. C'est dommage. Le décal, on m'appelle. Ok, pas de soucis, Danny. Ben, merci pour avoir suivi un peu et avoir participé au stream. Merci toi aussi, bonne journée, ouais. Merci. La course, voilà, voilà. Bon, on va essayer d'en ligne au moins et après on va arrêter là. Du coup.
Ah, c'est bien, on est quand même 7. Alors tout à l'heure, il n'y avait aucun salon. Enfin, là, il n'y a pas plusieurs salons, il y avait un salon. Avec ces 7 personnes-là. Moi, je sais même pas sans quel. Oh bâtard! Oh, j'ai pris cher. Hein. Mines. Missile. Merde, quel connard quoi. Ah merde, quel con. Oh non. Eh bien, je vais même en refaire encore 2-3 peut-être. C'est sympa en ligne. Aucune plaque, ah, je suis dégoûté. Ah bah voilà, on est 8, c'est pas mal. J'ai pas l'habitude en univers. Oh putain, j'ai quand même de l'autre côté. Oh, j'ai jamais fait de sensation, je pense. Oh, je m'en souviens pas du tout, toi, comme ça. Oh là là, il y a eu du grabuge aussi là. Ah là, il est tombé.
mon dieu. Oh là 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 là. Ah, je suis plus concentré là. Il est bizarre en reverse celui-là quand même. Putain. Oh, j'ai quand même rattrapé quelqu'un, putain. Ça, je remercie les gens d'être aussi nuls que moi. Ouais, putain. Trompée. J'étais pas loin de piquer sa dernière place. Plus gros s'envoler. Eh ben écoute, c'est toujours ça de gagner. Ouais, moi ça va être la dernière ce coup-ci. Oh, les gens ils quittent, c'est dommage. J'ai marre premier. C'est bon, je prends moi premier un petit moment dans le... un tout petit peu dans la course, magnifique. Voilà, c'est fini. Enfin, moi je me prends tous les murs, hein, par contre. Missile. Missile. Ah, pardon. Oh bâtard, oh là 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 là, j'ai pris cher là. Enculé, va. Oh merde, oh là j'ai oublié de tourner. Quel con. L'enculé, il m'a démonté juste avant la fin. Épicentre.
Allez, moi je vais. On va arrêter là. Une petite heure et demie que je joue là, c'est pas mal. Pas mal. Bon, bah merci à vous pour ceux qui ont regardé, participé et tout et tout. Je dis bah, peut-être à une prochaine fois, je ne sais pas quand, on verra. Salut, bonne journée à tous.